Frère, frère, les vainqueurs des raisons, les perdants n'ont que des excuses. Frère, les vainqueurs des raisons, ils ont des raisons, ils savent pourquoi ils font. Les perdants n'ont que des excuses. Les perdants n'ont que des excuses. Allez les gars, j'espère que ça va, j'espère que vos familles vont bien, j'espère que vous prenez soin de vous. Voilà. Aujourd'hui les gars, je veux vous parler de quoi? Tout ce que tu veux dans cette vie là, ça dépend de ta volonté, frère. Tout ce que tu veux dans cette vie là, après analyse, ça dépend en vérité de la force de ta volonté, de la force de ton désir, d'à quel point en fait tu veux ce que tu veux. Après toutes mes analyses, quand je regarde, parce que comme je disais la dernière fois, il y a des personnes qui sont nées dans des conditions vraiment défavorables et qui ont pris ces conditions-là, qui se sont élevées au-dessus de la mêlée. Il y a des personnes comme ça. Et il y a des personnes qui sont nées dans des conditions vraiment favorables et qui n'ont rien foutu, qui sont restées les mêmes ou qui sont descendues, qui ont downgrade. C'est une question de volonté. C'est ce que je disais à mon frérot. C'est une question de volonté. Parce que quoi? À quel point tu veux? Ce que je sais, c'est que quand tu veux quelque chose, tu te donnes les moyens de faire. Je dis à mon gars, essaie de lire un livre. Il me dit que non, il n'y a jamais le temps. Essaie d'aller à la gym. Non, il veut commencer doucement. Frère, non. Tu n'en as pas envie. Bro, tu n'en as pas envie. Tu veux vraiment pas. Tu veux vraiment pas. Les gens pensent qu'ils méritent telle chose. Je mérite une telle voiture. Je mérite une telle go. Non, tu mérites rien, frère. Frère, tu mérites rien. Tu mérites que ce pourquoi tu travailles. Tu mérites que ce pourquoi tu mets les efforts. Tu mérites que ce pourquoi tu mets les efforts. Les gens veulent qu'on leur donne les choses comme ça. Les gens pensent que la vie est facile. Les gens pensent qu'ils veulent avoir des choses facilement. Non. Bro, la vie n'est pas facile. La vie dépend à quel point tu tapes fort. La vie dépend à quel point tu as le désir. La vie dépend de l'animal qui est en toi que tu lâches. C'est de ça que la vie dépend. La vie ne dépend pas des personnes qui vont faire pour toi, des personnes qui vont faire pour toi. Non. Quand on fait pour toi, tu n'apprends rien. Quand on fait pour toi, tu n'apprends rien. Quand on te laisse seul, quand tu es livré à ton sort, quand tu sais que ah, si elle n'a pas fait ça, si elle n'a pas fait ci, si elle n'a pas fait ça, si elle n'a pas agi comme ça, si elle n'a pas travaillé, elle ne va pas manger, personne ne t'apprend. Automatiquement, tu commences à avancer. Arrêtez de me demander non, qu'est-ce qui te motive, frère? Ce que je veux atteindre me motive. Ce que j'ai vu que je veux plus voir me motive. C'est ce qui me motive, frère. C'est ce qui me motive. Je veux avancer, je veux aller loin, je veux aller loin. Ça dépend de ton désir. Ça dépend du désir brûlant. Qu'est-ce que tu as en toi? On veut rester les mêmes ou on veut rester, on veut changer. Bon, c'est tranquille, tu peux être gros. C'est pas mauvais d'être gros. Ce qui est mauvais, c'est de rester gros. C'est pas mauvais d'être pauvre. Ce qui est mauvais, c'est de rester pauvre. C'est de se plaindre de sa condition. C'est de ne dire que non, ça va pas. C'est parce que mon papa n'a pas fait tant. C'est parce que ma maman n'a pas fait tant. Pendant qu'il y a des personnes qui étaient dans les mêmes conditions que toi, qui se sont élevées. La vie dépend de ta volonté, frère. C'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Quand tu veux, tu trouves les moyens. Quand tu veux, tu tapes fort. Quand tu veux, tu te transformes. Les gars ne veulent pas se transformer. Non, les gars ne veulent pas se transformer. Parce que la transformation, ça dépend d'une seule décision. Ça dépend d'une seule décision. Je vous dis toujours, c'est une décision. Une décision, un choix. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux, bro? Quand tu te réveilles, tu veux quoi? Pourquoi est-ce que tu te réveilles? Quels sont les objectifs que tu t'es fixé pour te réveiller? Parce qu'un homme qui n'a rien à faire quand il se réveille, il est inutile, il n'est pas à l'aise dans sa peau. Quand tu fais rien toute la journée, tu n'es pas productif, tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise, frérot, réveille-toi. Frérot, réveille-toi. Frérot, les gens te regardent. Frérot, tes petits frères te regardent. Frérot, tes parents te regardent. Frérot, les gens qui doutent de toi te regardent. Ils attendent que tu fraudes. Ils attendent que tu restes le même. Ils attendent que l'argot qui t'a laissé, elle attend que tu ne fasses rien pour dire « Ah, j'avais raison de quitter ce loser. » Et puis tu es assis. Et puis tu es assis. Et puis tu es encore assis. Et puis tu es encore assis à m'attendre, frère. Tu ne veux pas te motiver, tu veux te faire bouger. C'est ça que tu
comprends pas. Moi, je veux te faire bouger. Je veux te faire poser des actions. Je veux te faire continuer, être régulier. Quand c'est difficile, tu avances. C'est difficile, tu avances parce que tu sais où tu veux aller. Tu sais où tu veux aller. Tu connais le résultat final. Les doutes là, ça pousse. Les doutes là, bon, les doutes ça pousse. On ne sait pas comment vous faites et puis quand vous, ça vous fait pas avancer. Personnellement, je cherche des gens pour douter de moi. Il y a besoin des personnes pour douter de moi. Il y a besoin des personnes pour me dire que tu ne peux pas faire ça. Non, quand on me dit ça, c'est une motivation sans pareil. J'adore les défis. J'adore les défis. J'adore quand tu me dis non, tu ne peux pas faire telle chose. Et puis, je suis pressé de te montrer que non, il peut faire ça. Je ne suis pas le même homme que ce que tu penses que je suis. C'est comme ça que tu te différencies. Bon, si tu veux plus, fais plus. Bon, si tu veux plus, fais plus. Si tu trouves que ta vie est bizarre, que tu n'apprécies pas ta vie, commence à chercher des connaissances pour améliorer ta vie. Frère, il était assis là et puis il me disait, il était ma petite. C'est ça, il était ma petite. Et puis il devait prendre soin de ma petite et puis il me disait, mais comment il allait faire la maille? Tu sais ce qu'il a fait? Il a commencé à vendre. Il a commencé à m'enfermer dans des livres de richesse qui parlent de richesse, chercher les connaissances, me mettre dans YouTube, chercher des vidéos où des personnes qui balancent des connaissances pendant des mois. Frère, il a fait 2 mois enfermé chez moi en train de lire des livres. Je me réveille à 6h, je lis jusqu'à 22h, je vais prendre ma douche et moi je dors heureux. Le lendemain, je me réveille, je lis encore des livres, je fais que lire des livres pendant 2 mois. Tu penses que genre, quelqu'un peut venir m'arrêter quoi? Il sait pourquoi elle a commencé. Il faut que tu aies ce feu-là qui brûle en toi, frère. Il faut que tu aies ce feu-là que personne ne peut éteindre. Il faut que tu aies ce feu-là que même quand l'adversité vient, tu ne fais que rigoler parce qu'ils ne savent pas qui tu es. Ils ne savent pas que tu es borné, ils ne savent pas que tu es têtu, ils ne savent pas que tant que tu n'as pas atteint ce que tu veux atteindre, là, tu n'as pas été reposé, ils ne savent pas ça. Donc tu ris. Quand ils envoient des trucs, des bêtises, des obstacles sur ta route, tu dribbles. Quand ils envoient des obstacles sur ta route, tu sautes. Quand ils envoient des obstacles sur ta route, tu jettes. C'est comme ça que ça se passe, frère. C'est comme ça que ça se passe. Tu les envoies balader à tout moment. Ils n'arrivent pas à te supporter. Ce gars-là même, comment on va faire pour l'arrêter? Ce gars-là même, on ne le supporte pas. Mais ce gars-là même, il est toujours en train de travailler. Frère, impressionne-les. Arrive où ne pense pas que tu peux arriver. Garde ton pied sur la pédale d'accélération. Avance. Il n'a jamais dit que c'est pas facile. C'est facile. Bon, depuis moi, j'ai il n'a jamais dit que c'est facile. C'est possible. C'est possible si tu crois en toi. C'est possible si tu veux vraiment. C'est possible si tu aiguises ta volonté de faire. C'est possible, frère. C'est possible de te transformer à un point où ça, personne ne te reconnaît, frère. C'est possible. Je te dis que c'est possible, frère. Je te dis que tu peux te réveiller et commencer à croire en toi. Je te dis que tu peux faire plus de fois que ce que tu fais. Je te dis que ce que tu fais maintenant, là, c'est bon, mais que tu es juste à 30%. Je te dis ça, frère. Tu es juste à 30%. Je sais que tu peux faire plus que ça. Au fond de toi, tu sais que tu peux faire plus que ça. Tu sais, bon, tu sais que tu peux faire plus que ça. Tu sais que le potentiel que tu dégages actuellement, c'est pas vraiment ton potentiel. Tu sais que si tu te concentres, si tu t'éloignes des personnes qui te distraient, si tu t'éloignes de cette pétasse qui t'emmène, si tu t'éloignes de cette folasse qui ne fait que projeter ses insécurités sur toi, tu sais que tu vas avancer plus rapidement. Il y a des folasses qui m'emmènent, la force de ma volonté les a jetées. Quand tu veux, tu les jettes. La force de ma volonté les a jetées. Le game ne tient qu'à ça. Le game ne tient qu'à ta vraie volonté. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux les femmes? Tu veux réussir? Ça ne tient qu'à ta volonté. C'est 2 chemins. Je veux les femmes, je les suis. C'est ta volonté. Je veux réussir, je suis mon chemin. Les femmes qui veulent me suivre vont me suivre. Je ne vais pas suivre une femme parce que je préfère mon succès à une femme. C'est ça, frère. Sois déterminé. Bon, sois déterminé. Cultive ça. Tu n'as personne pour te motiver, motive-toi toi-même. Souvent, je suis couché et puis il m'arrive d'être un peu paresseux. Puis il me lève et puis il me dit que non, Dave, tu ne peux pas être paresseux. Il me motive moi-même. Tu pensais qu'il me motive? Vous me demandez qui me motive? Il me motive moi-même.
Il me motive parce qu'il veut atteindre. Il me motive parce qu'il ne veut plus vivre. Il reste motivé. Il y a des jours, ça ne va pas. On est tous des hommes. Il y a des jours, ça ne va pas. Mais on se relève. On fait des pauses. Mais on avance. On fait des pauses. Mais on avance. Parce qu'un homme ne fait qu'avancer. Si tu n'avances pas, il ne faut pas penser que tu stagnes. Tu recules. Si tu n'avances pas, il ne faut pas penser que tu stagnes. Tu recules, frère. Frère, les vainqueurs ont des raisons. Les perdants n'ont que des excuses. Frère, les vainqueurs ont des raisons. Ils ont des raisons. Ils savent pourquoi ils font. Les perdants n'ont que des excuses. Les perdants n'ont que des excuses. Non, va à la gym. Non, il ne peut pas me réveiller à 6 heures. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas te réveiller à 6 heures? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas te réveiller à 6 heures? Pourquoi tu ne peux pas essayer de dormir tôt pour te réveiller à 6 heures pour aller à la gym? Pourquoi est-ce que tu vas lundi et tu vas vendredi? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi? Pour avoir des résultats différents. Pourquoi est-ce que tu veux être comme les autres et te plaindre? Si tu veux être comme les autres, d'accord. Mais ne te plains pas, reste comme les autres. Parce qu'ici, on ne veut pas être comme les autres. Ici, on veut se démarquer. Ici, on ne veut pas être comme les autres bêtas que les gola jettent. Ici, on veut être différent. C'est ça. Bon, tant que tu as fait ce que les autres font, tu es comme les autres. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Tant que tu as fait ce que les autres font, tu vas être comme les autres. Personnellement, ça me plaît d'être différent. Personnellement, ça me plaît d'être différent. Personnellement, ça me plaît de ne pas être comme les autres qui courent derrière les femmes. Parce que quand 99 personnes courent derrière elle et puis elle ne la regarde pas, elle a son attention que sur moi. Différencie-toi. Bon, différencie-toi. Différencie-toi par la force de ta volonté. Différencie-toi par ta détermination. C'est ça, détermination. La détermination, quand tu veux, tu es déterminé. Quand tu veux, tu es déterminé. Frère, il a testé la force du désir, vu ce que ça produit. Il a testé la force du désir, vu ce que ça produit. Les gens te disent que non, un business, ça la personne n'est fait. C'est justement parce que personne n'est fait qu'il veut faire. Bon, c'est justement parce que personne n'est fait qu'il veut faire. Si tout le monde fait, ça n'a pas de valeur. Si tout le monde fait, ça n'a pas de valeur. Si tout le monde est dans ça, ça n'a pas de valeur. Avance. Bon, avance. Avance. Tu n'es pas fatigué d'être seul. Seul mentalement. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué de n'avoir personne autour de toi. Bon, regarde. Regarde ta life. Remets-toi en question. Dis-toi que tu es plus certaines choses. Frère, 365 jours, tout peut changer. Frère, si tu changes d'habitude, tout peut changer. Changer tes mauvaises habitudes, ça demande de la volonté. Frère, changer tes mauvaises habitudes, ça demande de la volonté. Laisser les personnes qui te freinent, ça demande de la volonté. C'est la volonté. Tu veux quoi? À quel point tu veux? Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt à faire ce qu'il faut pour avoir? Est-ce que tu es prêt à faire ce qu'il faut pour te changer? Est-ce que tu es prêt à ça? Parce que tu dois tuer cette fausse identité-là. Celui que tu es actuellement, ce n'est pas toi. Celui que tu es actuellement, ce n'est pas toi. Toi, Jean-Pierre, tu n'es pas pauvre, tu es riche. C'est parce que tu n'as pas encore posé les actions pour être riche que tu penses que non, c'est ta destination finale. Non, ce n'est pas ta destination finale. Où tu es, ce n'est pas là que tu es censé être. Bon, ce n'est pas là que tu es censé être. Ce n'est pas ta place. Où tu es, ce n'est pas ta place. Ta vraie place est devant. Ta vraie place est quand tu vas commencer à poser les actions. Tu vas voir que ah, je ne mérite pas de rester ici. Ma vraie place est devant. Quand tu vas commencer à apporter de la valeur aux gens et puis ils vont venir dans ta vie. C'est là que tu vas reconnaître ta vraie place. Frère, cherche ta vraie place. Frère, cherche à découvrir ton objectif de vie. Parce que tu as quelque chose en toi. Il te dit ça, tu as quelque chose en toi. Bon, tu as quelque chose en toi. Je te promets que tu as quelque chose en toi. Cherche, cherche, cherche. Tant que tu n'as pas trouvé, continue de chercher. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Parce que souvent, on teste ta volonté. Il te dit, on teste ta volonté. Ta volonté est testée. Comment tu réponds à ça? Comment tu réponds à ça? Non, je veux commencer un business. Quand tu commences un business, tu as deux clients, ça ne marche pas, tu laisses. Non, tu ne veux pas. Parce que ceux qui gagnent, ils testent, ça ne marche pas, ils testent, ça ne marche pas, ils testent, ça ne marche pas, ils testent. Jusqu'à ce qu'ils trouvent ce qu'ils doivent faire. Faut être un chercheur, frère. Frère, faut être un chercheur. Enferme-toi dans ta grotte et puis cherche. Tu peux laisser tes amis pendant un moment. Tu peux t'isoler pendant un moment. Pour réfléchir sur toi.
pour prendre du temps pour toi parce que tu es la personne la plus importante de ta life. Tu sais ça. Tu sais que tu dois faire plus d'efforts. Tu sais que tes frères te regardent. Tu sais que tu es l'espoir de ta famille. Tu sais ça. Bro, tu sais ça. Ils t'ont pas la cœur ouverte, tu sais ça. Tu sais qu'on te regarde. Ils te disent pas, mais tu sais qu'ils comptent sur toi. Ils te disent pas, mais tu sais que c'est ton devoir de prendre soin d'eux. Tu sais. Tu sais ça, tu sais que c'est ton devoir de prendre soin d'eux. Tu sais qu'ils n'ont que toi pour compter. Ils n'ont que toi. Tu sais que tes frères n'ont que toi. Tu le sais très bien. Pourquoi tu les décevoir? Pourquoi? Pourquoi tu es une bitch et puis tu n'es pas soulevé les poids? Pourquoi tu es une bitch et puis tu n'es pas fait ce qu'il faut, tu es été plein? Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas resté tard, être le dernier à ouvrir la, à fermer la gym, être le premier à ouvrir la gym? Pourquoi tu ne peux pas faire ça? Parce que tu es garanti que quand tu as commencé à faire ça, tu as changé. Bon, c'est sûr, c'est inévitable de taper aussi fort et de ne pas changer. C'est inévitable de taper aussi fort et de ne pas changer, frère. Quand il a commencé à grossir, il était à combien? Bro, il était à 107 kilos. À 107 kilos. Et me j'ai dit, moi, c'est pas mon poids. C'est pas mon poids. Je suis pas gros de base. À la base, j'étais skinny. Je suis pas gros. Pourquoi il doit être gros? Parce qu'il a commencé à manger bêtement. Parce qu'il a commencé à faire ce qu'il faut pas faire. Il était à 107 kilos. Quelqu'un qui était à 87 kilos. Il était à 107 kilos. Frère, tu sais ce qu'il fait? Il te dit en un mois, il a perdu au moins 7 kilos. 7 à 8 kilos en 30 jours. Je me suis donné 30 jours de challenge. Tu sais ce qu'il fait? Il était un grand malade. Parce qu'il allait courir le matin, il allait courir le soir. Il allait courir le matin, il allait courir le soir. Il allait courir le matin, il allait courir le soir. Parce qu'il n'est pas en fait réduit en fait l'objectif. Il a augmenté l'effort. C'est ça. Je n'ai pas réduit mon objectif. J'ai augmenté les efforts. Et en plus de partir courir le matin et le soir, tu sais ce que je faisais d'autre? Je mangeais une seule fois par jour. Quand je mange à midi, c'est demain midi que je mange. Quand je mange à midi, c'est demain midi que je mange. En un mois, frère, il était fou. Les gens me disaient non, tu allais tomber malade. Non. Et à l'atteindre mes objectifs. C'est ça la science, bro. C'est ça la science. À quel point tu veux? À quel point tu veux? À quel point tu veux? Et depuis, je me maintiens dans cette forme. Je me maintiens, j'essaie d'avancer, d'aller encore plus. La dernière fois, il y a un gars qui commentait que dès que tu deviens musclé, frère, il travaille. Tu vois, non? Quand tu travailles, on voit. Quand tu travailles, on voit. Quand tu travailles pas aussi, on voit. Mais au fond, tu sais. Tu sais si tu travailles ou tu travailles pas. Tu peux mentir, tu peux faire semblant devant les gens. Mais au fond, toi-même, tu sais. Parce que quand tu mens, tu n'es pas à l'aise. Quand tu mens, tu n'es pas à l'aise. Quand tu mens, tu n'es pas serein. Quand tu mens, tu ne peux pas regarder les gens dans les yeux. Ils vous regardent dans les yeux parce qu'ils savent ce qu'ils disent, ils savent ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ils font. Ben, ils vous regardent dans les yeux. Quand tu mens, tu ne peux pas regarder les gens dans les yeux. Ce n'est pas crédible. Donc, les gars, on se change, on reste motivé. La force de la volonté. Bon, la force de la volonté. La force de la volonté, c'est ça la foi. Quoi? Quoi? Parce que la foi déplace les montagnes. On est ensemble les gâtons, buvez de l'eau. Les gars, on ne se laisse pas. On est ensemble. On est ensemble. Vous pensez que Jésus est où? Jésus est là. On est ensemble les gâtons. Ton les gars, on est ensemble, buvez de l'eau.